Saluez les personnes, celui qui est à gauche, celui qui est à droite, le bas. Ah, c'est des stages. Se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Milimo oyo babengaka bana ya Zambe emonaki ete bana basi yango bazalaki kitoko boye eponaki bamosusu pona kobala bango. Jean chapitre 10 verset 10. Jésus, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Fandela mutu ya mutu nyonso akota na vie na yo. Na fandelie na nko au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur le mariage occulte. Balinga mikati na nkolo tozana tina kolobela pona mabala oyo ya molili. Le verset qu'on vient de nous lire de Genèse chapitre 6 nous montre l'origine de ce mariage. Makapo o bauti kotangela biso ya Genèse chapitre 6 ezali kotalisa biso mosisa ya libala yango. La Bible dit lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, ils ont mis au monde des filles. Bible est allée si tu es tant ou pas, tu as bandé qui kobaki samanase na mabele, mais pas qui peut na kobota bana basi. Alors les anges déchirent ce que nous appelons des démons. Ils virent que le fils des hommes était vain. Ndeba anji oye bakiti samaka na se, otozo benga ba demona, mais pas qui na kota lete bana basi ango bazala ki kitoko. Et des démons ont pris la décision de commencer à se marier à ces jeunes dames. L'objectif pour les diables, c'est aussi de multiplier sa postérité. Parce que nous, nous sommes la postérité de Dieu. Créée à l'image de Dieu. Alors la minorité des anges de Chi qui étaient sur la terre, ils ont vu, il fallait aussi se multiplier. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand bien même ils ont eu la volonté de se marier, nous savons que le rôle du diable, il ne vient que pour détruire. Ne viennent que pour égorger, ne viennent que pour tuer. Tango bazaki mokano ete bango pe babanda kobota, ndeto somona ete misala ya Satana ayaka kaka pona koboma koyiba mpe kobebisa. Alors Satan savait bien. Satana yebaki malam. Si je dois laisser ces gens, si je dois laisser cette génération aller comme ça, moi je serai perdant. Soki na... me marier à eux et chercher à détruire leur descendance. Soki na kotika libota oyo kokende boye na nakozo eloko mokote ndesengelaki na kote la bango na banda pe kobota na bango mpo nga mpe nazwa bakita. Alors vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un est marié à un esprit, il y a des conséquences qui en découlent. Ndesengeli boyebe ete soki mutu asili kobalana na elimo eza na miango oyo etalisamaka to esalemaka. Nous vous avions épinglé les conséquences des gens qui sont dans les mariages occultes. Nous avions dit il y a perte de l'affection entre les partenaires vivants qui ne sont pas dans le monde. Nous avions dit celui qui est dans cette relation occulte
il y a des maladies telles que les myomes, les fibromes et des maladies sexuellement transmissibles qui ne peuvent pas se terminer avec les traitements normaux. Totalisa ki lisus, batu o bazali na kati ya mabala o ya butu, ezali na myango ba maladie nde totanga ki ba myome, ba fibromes, to ba maladie o ya sila kalakisi ya munga ngati. Alors nous voyons les conséquences dans la chair physique que le diable, lorsqu'il accepte de cohabiter avec quelqu'un, c'est pour détruire sa santé premièrement. Pendant que quelqu'un a des myomes, pendant que quelqu'un a des fibromes, pendant que quelqu'un a des maladies qui ne se terminent pas, il en souffre dans la chair. Il ne peut pas bien produire, il ne peut pas aller de l'avant parce que la santé, c'est le premier facteur pour le développement. Tango mutazana ba maladi oyo ba myon ba vibro na kati ya nzoto na ye, santé na ezali malamu te, pe bomwe na ezali malamu te, po te moyen ako bato asala makambo ya malonga ekozala te, po santé na ezotungisama. Alors nous comprenons que le diable, sa mission de détruire est réelle. Parce que lorsque quelqu'un vit avec un esprit de mari ou de femme de nuit, sa vie ne sera pas normale parce que sa santé est atteinte. Ne totale de satana. Bitindele na kati ya nzoto ya bato ezali ya solo. Pote soki moto azali nzoto kolongono te, akozala penza na pasi mpona kokende liboso. Donc des conséquences biologiques d'être dans le mariage occulte sont réelles. On voit chez l'homme des pollutions nocturnes dans ses habits. Il peut se changer 3 fois, 4 fois. Et là, ce n'est plus spirituel. C'est dans le physique. Il voit qu'il est tenté de se polluer. Chez la femme, il y a des femmes qui ont des règles dépassant 1 mois, dépassant 3 semaines, dépassant 1 semaine. Cela n'est pas normal, c'est lié à l'occupation des maris de nuit. Tozota la pe miango mosusu kati na babalan. Okokute mobali kati na nzoto na ye, asana ba maladi oyo mosusu ezozo ye moyen kutala tata bilamba ezate. Okotala pe na nzoto ya basi lolenge moko. Alors, à cause de cela, le diable, lorsqu'il entre en relation avec une personne, ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour le détruire. Parce que sa mission est donnée dans Jean 10:10. Le voleur, lui qui est Satan, il vient que pour voler ce qu'il y a de précieux en toi. Il vient voler ta santé. Il vient voler ton étoile. Il vient voler tes promesses. Il vient voler ce que Dieu a mis en toi pour que ça puisse t'élever un jour. Et des conséquences biologiques de la personne qui vit avec un mari de nuit, si c'est une femme ou une jeune dame, il y a une croissance somatique supérieure à sa croissance chronologique. Wana ndeto zota le pepo na babalan, kati na mutu oya zali kobika, kaka na libala oya molili, okomone te mutu oya kati na nzoto na ye, bokobi penza makamalamu ezali teme bokiti sami ya mbeba, kati na nzoto na eza makasi. Onga na lobi eza bongote. Na lobi, mwona mwasi oza na mobali ya mutu, okomona zana aji moke, kokola na ye ezali makasi koleka aji na ye. Amen. Otali mwona 12 ans, Zanatolo lokole Melissa bana 6. Ikambo. Omituni memwana oyo na mona kaina via mokolo te. Tolo ezo kola nene. Ekola kaputu paske zana okipa ya butu. Amen. Ese zana mtumo kwa zoto na ngayi. Amen. Makoma uta pambate. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Alors, au moment de mon ligne, oh, yeah, atomo la kabibé ne oubiye le kamolini. Hey, eza proye bibé ne te. Eza na mtu moko, oyu asakana kananzoto na ye. Yangwana okomona 14 ans, 15 ans, me mama nguwa Melissa bana 6 ans ala kabongo te. Oyu kokola boyali akani. Eza na okipa, moko ya butu, azala kawana. Akota wana. Azo jere. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Alors des conséquences biologiques dans le corps.
Le corps a des maladies qui ne se terminent pas. Les maladies liées à l'existence d'un mari ou d'une femme de nuit dans le corps. Maladies cela montre clair que le diable, lorsqu'il accepte de cohabiter dans un corps, ce n'est pas pour bénir ce corps, c'est pour le détruire. Et lorsque quelqu'un n'a plus l'envie de se marier, comment pourra-t-il perpétuer l'espèce? Voilà, l'existence d'un mari ou d'une femme de nuit dans le corps ne vient pas élever, ne vient pas bénir, mais ça vient régresser, ça vient détruire, ça vient enlever ce qu'il y a de précieux. Et ya kate pona kotombo na meyaka kokitisa pona kobebisa lisusu makasi.